Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 10e épisode, je crois, de mon let's play sur le jeu Spore saison 3. Alors, je vous reprends, on était un peu dans la galère parce que j'ai essayé de prendre cette ville de façon religieuse, et pour l'instant, on n'y arrivait pas du tout. Donc là, il faut que je vire les tourelles, c'est surtout ça le plus important. Voilà. Les véhicules militaires. Maintenant, vous avez le droit d'aller voir ailleurs. Donc, alors, ici, j'ai une énorme compagnie. Mais c'est genre le truc méga badass. Donc, j'essaie de prendre la ville, mais là, il y a vraiment, vraiment, vraiment trop de trucs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça. On va prendre la ville ici. Alors toi, d'ailleurs, faut que je te remodélise un peu. Remodélise. Pas exactement ça ce que je voulais dire, mais... Là, voilà. On va faire ça comme ça, vous allez voir. Non, c'était pas ça non plus. On fait ça comme ça. Où est-ce qu'il y a de la place? Y a plus de place. C'est quoi ces villes de pourri? Il y a genre 3 emplacements pour une maison et puis c'est fini quoi. Alors vous savez ce qu'on fait? On supprime ces véhicules religieux. Je fais un max de véhicules aériens. On prend la ville rapidement. Voilà, en plus ça fait une gros DPS. On prend cette ville bleue très rapidement. Ensuite on prendra les deux villes rouges de et on les convertira en religieux. Enfin on les laissera en religieux en fait. Et ensuite avec toute la puissance de feu qu'on aura niveau religieux, on s'attaquera au dernier bastion des bleus. Tout simplement. Tiens d'ailleurs ça me fait penser... Il faut deux véhicules maritimes pour aller attaquer ce gisement là. Alors, on sait qu'ici, bon, niveau militaire, bon. Voilà, ils vont se faire vite éclater. Ça va vraiment très vite. Voilà, ça c'est fait, hop, échappe. Allez, on va prendre ces petites villes là. Toc. Ah oui, c'est vrai que toi tu peux pas. Va me récupérer ça. C'est moi qui l'aurai avant. Voilà. Donc ça c'est fait. Religieux. Ça allait vite hein, pour cette ville. Et on prend cette ville là. Quant à moi, je vais modifier celle-là. Voilà. Et il y a l'air d'avoir pas mal de place. C'est cool. C'est très très cool. Non. Voilà. Un complexe religieux, voilà. Je crois qu'il n'y a plus de place là. Il n'y a plus de place. Bon, c'est déjà pas mal. Est-ce que ça veut dire qu'une bonne partie est déjà prête? Voilà, il reste plus que ça à faire. Eh, hey, mercredi, bon. Ça veut dire qu'on va encore se coltiner des... On va se coltiner des bleus, enfin des rouges. Bon, de toute façon, la ville va être rapidement récupérée. On attaque un de mes gisements d'épices. Lequel? Celui-là, bon, c'est pas très grave.
Voilà, ça c'est ce qui s'appelle régler un problème vite. Au moins, ça c'est fait. Serrez-les vite. Voilà, religieux. On modifie ça. Il me faut de la place. C'est une grosse ville, ça c'est cool. Mais qui dit grosse ville dit pognon. Beaucoup le pognon. Tac. Voilà, en plus ça fait de la population. Ils sont contents, ils sont heureux. Je crois qu'il n'y a plus de place du tout. Non, de toute façon, là, je suis un peu surbooké. Ok. Alors, toi. Tu te casses. Toi. Tu te casses. Vous récupérez pas cette ville. Je vous préviens. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non mais ça c'est genre pas sympa, il va falloir que je reconstruise la ville après. Quoi? J'ai perdu cette ville. Bon, qu'à cela ne tienne, on va devoir prendre cette ville. Les religieux. Est-ce que ça va prendre la ville? Je crois pas. Je croise les doigts parce que sinon j'ai perdu mon défi. Voilà, bon. C'est passé. Reddition? Eh merde! Non mais... Quoi? Mais je viens de me faire avoir. Mais complètement. En plus, vous êtes d'accord avec moi, repassez le truc si vous voulez. Mais il n'y avait pas de bouton modifié. Enfin, c'est-à-dire que là, c'était soit... C'était que la réédition possible. Toi, te maxi atteinte. J'ai juste... Alors, on va récupérer les trucs. Donc, en fait, j'ai perdu mon défi d'office. C'est méchant. C'est très méchant. Oh, je me sens eu. Mais genre, bien eu, quoi. Oh, la vache. Je me sens bien eu. En plus, j'aurais pas pu utiliser correctement H2O et O2. C'est nul. Tac, on va récupérer tous les trucs d'épices. Combien ça va me faire? Là, je fais plus du 20 400, quoi. Alors que tous les trucs d'épices sont à plus 100 par minute, en fait, ça produit plus rien. C'est vraiment les usines qui produisent à mort, quoi. Tac, toi. Tu vas aller là. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un ogre qui traîne dans le coin? J'ai encore ça à faire. Il me faudrait un ogre, les gens. Rapprochons-nous. Il faudrait qu'il n'y ait pas âme qui vive sur cette planète. Un ogre. Parce que j'ai quand même un défi. Bon, je l'ai réalisé en phase tribu, mais c'était quand même un gros coup de chance. C'est-à-dire que je suis tombé sur le... l'ogre avec plus que quelques PV. Forcément, ça aide beaucoup. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas d'ogre. Ce qui est potentiellement très bizarre. Ah, si! Si. Alors toi, t'es quoi?
Vous êtes prêts, tous les véhicules militaires? Là, je pense qu'on va pouvoir s'amuser à mort. Allez, hop. Allez, c'est parti. Ah, mais juste avec ce petit groupe, il y aurait moyen qu'il le défonce. Ah, peut-être pas quand même, parce que ils sont quand même pas beaucoup et ils one-shot, quoi. Ah si, c'est possible en fait. C'est possible. Donc mon défi, capturer une ville en tous les modes possibles, en fait je l'ai bien foiré. Et puis je l'ai foiré méchamment quoi. Ah, la flotte impériale arrive. C'est genre de... C'est des tapis volants en fait, vu de loin. On dirait des tapis volants avec des... truc dessus. Allez. Il va se faire mais charcuter. Voilà, charcuter. Et combien ça me fait en sous-sous une fois que je vends tout ça? 170 000 par Sportflouz. J'aimerais bien garder ces 170 000. Ça serait cool pour la phase suivante. La phase que je pense vous attendez tous avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Parce que c'est, je pense, la phase que vous préférez ou presque. Presque tous, j'entends pas. C'est parti. Bon, alors là, clairement, militaire, 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 militarus, tout ce que vous pouvez. Donc là, je pense qu'on va avoir le... Ouais, c'est ça, armée de soutien, tiens. Je pensais que c'était attire pirate. Oh, bah tiens, on a eu l'armée de soutien. Quand même, 3 milliards d'années d'évolution, 3 milliards presque et demi. Ça fait beaucoup. Allez, c'est parti. Allons concevoir notre soucoupe volante, ou plutôt notre technomobile, comme dirait le JDG. Une technomobile, concevons une technomobile. Est-ce qu'on pourrait pas faire une technomobile un peu spéciale? Un truc carré, non c'est moche en fait. Y a pas d'autre forme? Oh merde, cette forme là, ça peut être mais... tellement bizarre. Oh non, carotte de l'espace. Carotte de l'espace, déjà rien que le nom quoi. Mon astromissile. Ou le Star Triangle en fait, le Star Triangle c'est cool, ça fait... ça fait... Ah, comment s'appellent ces gros vaisseaux dans Star Wars impériaux? Bon, on va essayer de faire un truc qui s'en rapproche pas mal. Le problème, c'est qu'il devrait y avoir un T ici. Je crois qu'il n'y a pas de moyen de faire un T. Un truc qui s'en rapproche à peu près. Ouais, c'est pas mal, ça. Un croiseur impérial, voilà. C'est ce que je cherchais, un croiseur impérial. Bon, attendez, on va réduire ça. On se donne l'impression qu'on va tout défoncer. Non, ça c'est vraiment bizarre. On va en mettre plusieurs, je pense. Voilà. Et des réacteurs plasma, c'est cool les réacteurs plasma. Bon, par contre, ils ont pas du tout, du tout, du tout fait aller dans le bon sens, quoi. Bon, voilà, un réacteur plasma. On n'aura droit qu'à un petit réacteur plasma. Blinde utile. Bah, c'est pas mal ça. Bon, évidemment, comme il n'y a pas de stats. Hein... Ah, mais si on met des trucs de déplacement, c'est cool. Non, la vis sans fin, ça sert à rien. Voilà, là, ça fait vraiment genre on va vite. Mais ça fait juste genre en fait. Minitaire. Oh oui, ça fait bien bourrin. Même si on en a pas beaucoup, ça fait bien bourrin. Et le dégomme astéroïde, indispensable pour une soucoupe volante. Ah merde, hop, c'était pas ce changement de taille là que je voulais faire. Par contre, je veux des longs dégomme astéroïdes. J'ai quelque chose à compenser, oui.
Alors le truc qui empêche de voir. Ah bon, ça va en fait, ça empêche pas trop de voir. Non mais, oh, je veux pas diminuer la taille. Bon, on est bien. On est bien. Allez, on va mettre de quoi faire un peu la techno mobile quand même. La techno mobile. Oh oui, avec trois feux bizarres là. Oh, il y a trop d'éléments, ouais. Non, mais non. Il y a trop d'éléments, j'y crois pas. C'est tout nul. Et est-ce qu'on met ça, hein? Est-ce qu'on met ça? C'est le summum, ça. Allez, on met ça. Mais c'est tellement bien. Non, mais ça se coupe. Coq. Oh non! Non, mais non! Bon, je laisse ceux qui parlent, qui savent parler anglais expliquer à ceux qui savent pas. Lush moteur. Sil. Du court. Hydragneur. Ouais, hydragneur, c'est cool. Ça veut rien dire, mais c'est cool. Phase espace, ça y est. Allez, c'est parti. Alors, c'est là que ça craint vraiment, 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 dans le sens où... où c'est le moment où le jeu a tendance à pas mal bugger. Et lors du tutoriel de cette phase, il y a possibilité qu'il y ait un bug. Oui, bon, c'est vrai que je crois qu'on va skipper ce tutoriel. Nommez votre capitaine. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, on va l'appeler Cernon. Il y a possibilité qu'il y ait un bug lors du tutoriel qui n'empêche de passer la phase du tutoriel, donc du coup je suis bloqué parce que j'ai pas mon moteur interstellaire. Oui, ça je connais, ça je connais. Il suffit de regarder les deux premières saisons pour vous expliquer assez bien à quoi ça sert. Bon, je sais déjà piloter ma soucoupe. Oui, je suis capitaine, merci. Sachant que là, on va avoir normalement un accès à un bon paquet d'aventures. Je me suis inscrit à pas mal de sportcasts. Normalement, je dis bien normalement, on aura de nouvelles aventures. Parce que là, pour l'instant, je crois qu'on a bien fait le tour. En tout cas, je croise les doigts pour qu'on ait... pas mal d'aventure. D'accord, je peux pas récupérer les pistes qu'il y a sur cette planète. Il faut que j'aille. Frina. C'est vrai que c'est la T1. La T1 herborisée. Toc, le radar qui a trouvé quelque chose. Ce que j'aime bien, c'est que c'est sur l'autre planète de leur système solaire qu'ils ont trouvé quelque chose appartenant à une autre civilisation. Chez nous, on n'a pas ça. Déjà, il n'y a pas la vie sur une autre planète de notre système solaire. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être que sur Mars, il y a de la vie. Parce que sur Mars, il y a de l'eau. Mais des objets montent à bord. Ok, d'accord. Faut quitter le système solaire. Ah oui, c'est vrai que là, j'ai mon moteur. J'ai mon premier moteur. Voilà. Donc, pour leur système solaire, il y a déjà des plantes et des trucs comme ça. Une atmosphère respirable, en tout cas. Disponible. Alors, on arrive bientôt à la fin du tutoriel. Oui, une ancienne ville. Tous les grogs indésirables doivent être éliminés. On le sait. Élimination des drones de défense. Voilà. Maintenant on peut se tirer. Mission accomplie. Oui, je sais qu'il y a de la vie dans ce système. C'est mon système. Bravo. Ah oui, c'est vrai, il y a la colonie. Donc bien entendu, c'est d'épices rouges. Ça aurait été cool au moins qu'ils visitent une... enfin, qu'ils donnent une autre couleur d'épices. Ça, je pense que ça aurait été très très bien.
Quoi, ça fait déjà 20 minutes? Ah, ça va vite. Bon, je skip certaines séquences. Apprise. Allez, on y va. Oula, pas très accueillante. Elle est quoi, elle est trop froide? Ah non, elle est à la bonne température, c'est juste qu'elle est sans atmosphère. Allez, poum! Ça, je trouve ça génial la façon dont se déploie la colonie, quoi. C'est genre, tiens, une colonie sort du sol. Pouf! Bon. Ben, ça, c'est bien. Ça, c'est très, 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 très bien. Revenons dans mon monde d'origine. Oui. La gloire m'attend. Ok. Ah oui, là, je crois que c'est rencontré de nouveaux empires spatiaux. Mais ça sera pour le prochain épisode. Ouais, on va arrêter là cet épisode, parce que ça fait déjà 20 minutes, et je crois que le dernier épisode était un peu plus long que d'habitude. Donc on va arrêter là. Bah, j'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup de rejouer à Spore et de faire une saison 3. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, à partager la vidéo, c'est vraiment très très important. À mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous!